Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 17 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Tourcoing. Première course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 7 à 9 ans en découdront aux alentours de 13h50. Lors de cette compétition à l'allocation totale de 51 000 euros, il ne faudra pas hésiter à tenter quelques coups. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, nous allons assister à une course extrêmement rythmée, pardon, puisqu'il y aura deux échelons de départ et que les 7 plus riches rendront la distance de 25 mètres. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Élu de Dompierre. Ce pensionnaire de la famille Aon s'entend parfaitement bien avec un certain Damien Beaune. D'une louable régularité dans l'ensemble et tournant autour du pot, il mériterait tout simplement de remporter son quintet plus. En deuxième choix, le numéro 11, Epsom Derfray. Les élèves de Jean-Michel Baudouin traversent une très belle période de forme et comme il reste sur un succès autoritaire et se retrouve une nouvelle fois déféré des quatre pieds et associé à Éric Raffin, il serait fou de ne pas le retenir parmi les deux premiers. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, El Matador. Franck Ouvry l'aime beaucoup et pour la première fois de sa carrière, il va déférer les quatre pieds, ce fils de Carrou qui trouve un idéal engagement au premier échelon de départ. En quatrième position viendra le numéro 8, Désir de Banne. Hervé Sionneau sera aux commandes de ce fils de Niopet Dombré qui reste sur une excellente deuxième place et qui ne se présente pas déférer les quatre pieds pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Djembé d'Orgères. Il s'entend bien avec Franck Nivard et est passé tout près du succès dernièrement. Déférer les quatre pieds et rendant la distance, il peut lui aussi le faire victorieusement. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Duc d'Idée. Promis un très bel avenir en début de carrière, il avait malheureusement connu des problèmes de santé. Désormais, sous la responsabilité d'une écurie Charles-Antoine Marie en grande forme, il peut profiter de sa position au premier échelon pour briller. En avant-dernier choix, le numéro 10, Concerto Cointry. Déférer les quatre pieds et associé à Thibaut Dromini, il aura logiquement des partisans, d'autant qu'il sait finir ses courses. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Disco. Déféré des quatre pieds lui aussi et piloté par David Thomain, s'il dispose du bon parcours, il peut pimenter les rapports aujourd'hui. En cas de non-partant, le numéro 5, Élu du Gade, présenté par l'habile Jean-François Sonnet, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Turf Sélection indique le tiercé quartet quintet plus dans le désordre, le dernier affichant un rapport de 166 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le fameux lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet. Et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.